Vous regardez RTL. Bonjour à tous, nous sommes sur le stand d'Airbus à Vivatech 2018. Airbus présente aujourd'hui sa nouvelle navette, la Airbus Pop-Up Next, la nouvelle version de sa navette Airbus Pop-Up. Elle vient en kit avec une partie drone et une partie capsule, deux parties qui s'assemblent pour donner une voiture volante. Cette voiture volante propose des trajets personnalisés aux utilisateurs. C'est parti, nous allons l'essayer. Je m'installe, je prends mon téléphone, je rentre mon prénom et je prends ma photo et je choisis les intérêts. Ok, donc là il me propose un trajet, 13 minutes en voiture et 13 minutes dans les airs. Donc, en avant. Le voyage en voiture a commencé, je peux sélectionner une ambiance simplement avec le mouvement de mes yeux. Et je valide à l'aide d'un trackpad. Je peux aussi écouter la musique que je veux grâce à des enceintes situées sur mon siège. La partie au sol est terminée, on va maintenant décoller. Je survole Londres, où on me propose des lieux à visiter en fonction des intérêts que j'ai renseignés. Enfin, le trajet se termine et le pop-up atterrit. Ça y est, le voyage est terminé, on s'est posé. Alors évidemment, tout cela reste encore théorique parce que les villes n'ont pas encore l'aménagement nécessaire pour accueillir les stations d'Airbus pop-up. Mais malgré tout, la commercialisation de la navette est prévue pour dans 6 à 7 ans.